started! That dog jump rope better than me! The dog did a backflip! On va lui donner un sujet dont on a discuté pendant qu'on a regardé ce joli film, et puis on va donc, c'est la surprise peut-être, changer d'interprète. Alors quel sujet, on le sait nous, Gilbert? Nous avons choisi à l'unanimité, après de longues palabres, c'est un métier, oui. Oui, oui, c'est vrai. La revanche du petit écureuil. Ça, c'est très facile. Ça commence déjà bien. Et alors, quel chanteur, alors, Sophie? Ouh, Thomas, ça va peut-être pas être facile du tout pour vous, avec Shakira. Il peut le faire. Ah, on est dans les demi-finales, voilà, ça se corse. À vous les paroles, mon cher Thomas. Donc on va reprendre les 10 petites secondes et on va changer de... Pour avoir une difficulté supplémentaire, on va tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire de changer de chanteur pendant l'improvisation. Donc on vous tendra la main successivement pour changer les chanteurs. Très bien. Et voilà, 10 petites secondes si le public veut bien nous donner les 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes sûr qu'avec la revanche des petits écureuils, on peut faire quelque chose? On va voir. Sinon, on en a plusieurs, si vous voulez. On en a plein. Hein. On va se débrouiller. Okay. C'est dans le même style. Hein. Allez, allez, c'est pas facile. Soyez bien conscients, chers téléspectateurs, que la revanche des petits écureuils, c'est pas tous les jours qu'on les traite dans une chanson. Allez, vas-y, toi. On se marteau. Quand j'étais un tout petit écolier, le premier jour dans l'école, quand je suis arrivé, on m'a dit toi en me voyant là-bas sur le seuil, ton prénom ce sera le petit écureuil. Comment ça, ça, eh, eh, moi c'est comme ça qu'on va m'appeler. Comment ça, ça, eh, eh, un jour je vais me venger. Alors un jour, quand tout le monde était tranquillement dans la classe, je me suis dit, moi je m'en vais, oui. Ça, je trouve ça classe. Et je suis parti dans un aéronave. Je suis allé bien, je suis tout haut. Dans un aéronave tout haut. Je suis allé me cacher dans l'arbre là-haut. À part, là-bas. Et là, au cachet dans mon arbre, je regarde là-bas et je vois mes camarades en train de travailler, moi sur une branche à buller. J'ai dansé comme ça toute la journée, dans mon arbre je suis resté. Travailler, voilà comment je me suis vengé. Johnny Hallyday, Johnny Hallyday. Je me suis vengé, c'est ça que j'aime. Quand je regarde les autres travailler, dans mon arbre problème. Moi j'y reste toute la journée. Le petit écureuil peut buller dans son arbre sans s'arrêter. Et jamais j'irai travailler. Dans mon arbre je resterai. Petit écureuil apeuré, il a fini par se venger. C'est l'histoire d'un mec en manque qui rencontre un jour une fille bien charmante. Elle ne savait comment l'aider, mais il fallait le soulager. Sucer des c'est fantastique, sucer des b****, c'est magnifique, sucer des b****, c'est très... C'est une blague hein? C'est des diables. Surtout des glands, 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 sucer des puis des glands, 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 glands. Merci. Candidat suivant. Moi, hein. Ah. Il y a le William de Fly qui est à l'école. Gamba. Ça, c'est la position du chanteur. Ça, en fait, c'est à mes frères gitans. Dans la caravane, n'avait pas de place. Alors... Mais je... On y va. C'est beau. Il a changé la lumière. Là, je ne dois pas le dire. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur et ça rentrait comme dans une histoire. Histoire d'amour qui glisse, qui ripe. Toi, amoureuse, me ferais une bonne chanson. C'est fort comme la pluie qui mouille. Allez, attrape-moi les mains. Avec toi, le temps recule. Si je t'attrape, je te garde. Enfuis au fond de ma couchette et de te prendre en voiture. On va faire où? Moment nostalgie, émotion. Et t'emmener un satellite où tu me... Eh oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien que je me la tape quand même. Hein. Au suivant. Merci. Je crois qu'il atteint le gésier. m'a donc tapé dans le cul et qu'on en finisse. Ah, qu'on m'a donc tapé dans le cul.